c'est Asgard. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Rocket League. Nouvelle vidéo, on va essayer de monter. Je sais plus combien je suis parce que ça fait quelques jours que j'ai pas joué du coup. Du coup, je suis redescendu P1 10-3. Aïe 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 aïe, c'est pas bon ça. On va essayer de remonter. Première partie de la journée, j'espère que ça va le faire. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Moi, en tout cas, bah, j'ai travaillé à part dimanche. C'était mon seul jour de repos. Mais du coup, j'en ai profité pour me reposer. Et puis en même temps, j'ai regardé aussi la vidéo d'Inoxtag, le docu. Et franchement, incroyable. J'ai kiffé de fou. Et je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, vous. Mais en vrai, en général, je pense que tout le monde a kiffé. Et bien celui-là. Et j'espère que tout le monde a kiffé. Et en tout cas, moi, j'ai kiffé de fou. Parce qu'en vrai c'était très bien monté, il y avait une histoire au début à la fin, c'était cool en vrai, tu vois, c'était pour un documentaire, tu vois, c'était assez assez bien, tu vois. Ah, assez bien, c'était trop bien. Attends, j'essaie de me concentrer, mais bon. J'ai vu aussi qu'il allait avoir le 11 All-Star, ils ont annoncé la liste. Il a annoncé la liste. Donc, on se prend un 8. Il a annoncé la liste, en vrai, franchement, j'aime bien les invités du coup. Il y a un peu les mêmes que l'année dernière, mais bon, en vrai, c'est bien aussi. Au moins, ça change pas totalement l'équipe, quoi. Moi, j'aime bien en vrai que, bon, du coup, il y aura une Nox Michou. En vrai, j'aime bien. Parce que d'ailleurs, j'ai regardé une vidéo de Michou il y a quelques années. Il avait fait une sorte de foot à 7 avec le bouse Thibaut InShape et tout, et en vrai c'était plutôt bien. Et du coup, en voyant le Michou jouer, je me suis dit, ah ouais, j'ai hâte du Eleven All Star pour qu'il remonte un peu ses talents de footballeur, quoi. Pourquoi tu veux quitter alors qu'il reste 3 minutes 20? Allez. Voilà, tu vois, genre on rattrape. Les gens qui veulent quitter à chaque fois alors qu'il reste 3 minutes ou 4 minutes, je comprends pas, quoi. Il y a un peu de mental dans ta vie. Certes, on fait des erreurs, tranquille. Il ne faut pas. Faut pas tout plaquer d'un coup. Voilà. Qu'est-ce qui m'a fait le plus bien? Ah ouais. En vrai, j'étais pas loin de l'arrêter là. Une petite seconde de plus et ça allait. Allez. Bon, du coup, j'ai eu quelques petites idées de vidéos qui vont suivre du coup cette année là. Quand je dis cette année, c'est de septembre à septembre prochain. J'ai eu quelques idées et du coup ce serait plus des vidéos peut-être un peu plus extérieures comme ça. Et du coup à voir si ça peut vous intéresser. En tout cas, à la base des bases quand même, je ferai des vidéos aussi qui me font plaisir, quoi. Et si ça me fait plaisir, ben, ça va se ressentir dans la vidéo en plus, quoi. Mais après je me suis fait niquer aussi. Là, j'ai quelques petites idées du coup de vidéos en extérieur, je vous en dis pas plus pour le moment, mais
je pense que ça pourra être cool à faire. Voilà. Donc pour l'instant, c'est des idées. J'attends de voir ce que ça va donner plus. Mais du coup, au moment venu, quoi. En vrai, je pense que ça peut être de bons trucs qui peuvent changer un peu. Ça, mais après, ça change pas que j'aime bien faire des vidéos Rocket League ou autre. C'est juste que j'aime bien me divertir. Voilà, on a perdu, hein, mais c'est pas grave, c'est juste pour le chambrer un peu, parce que du coup, le ref, il fait pas beaucoup non plus, quoi. Bon, alors première game, c'est pas une game de fou que je vous propose, mais au moins je vous propose des games qui. Bah, les vrais games que je fais, quoi. Voilà, c'est bien ça. Allez, je l'encourage, hein, nouveau tir. Ça s'annonce compliqué, mais en 1 minute 45, rattraper 3 buts, ça peut être possible, c'est Rocket League. D'ailleurs, en parlant de Rocket League, tant qu'on y est dessus, c'est que du coup, j'ai regardé un petit peu les Worlds, et franchement, c'est tellement incroyable à regarder. C'est, la plupart du temps, ils passent du temps en l'air, quoi. J'ai regardé les M8, du coup, qui sont fait éliminer, et malheureusement, parce qu'en vrai, j'aime bien les M8, en vrai, les joueurs, en tout cas. Et du coup... J'aime bien les joueurs et tout, et du coup je regarde un peu les mythes. Du coup là, j'ai regardé les World Cup. J'ai regardé la Camille Co, la Camille, et j'ai vu. Je me suis trompé. Et du coup j'ai regardé celle-là, voilà, d'accord. Et du coup je me suis régalé aussi, quoi. En vrai c'est trop stylé quand même. Et j'ai vu aussi qu'ils avaient fait aussi des Worlds sur. Sur GeoGuessr. Ça c'est plutôt insolite un peu. C'est plutôt insolite, et en vrai j'ai kiffé aussi, mais après bon, les gens ils connaissent de fou le monde, quoi. Putain, j'arrive pas, quoi, aujourd'hui. En vrai ils arrivent de fou à reconnaître tout le monde. Ils voient une route, ils se disent ah bah c'est là, quoi, ils sont là pile au bon endroit. Après je pense que c'est des heures et des jours et des mois d'entraînement, des années d'entraînement qui font que. Mais en vrai c'est stylé à voir quand même. Mais non mon ref, qu'est-ce que tu m'as fait? Oh là 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 là. Et voilà, moi aussi je te chante, mon gars. Mon gars, c'est comme ça qu'on arrête. Là, j'ai fait des bêtes d'arrêt pour la fin quand même. Certes, je perds, mais en vrai, j'assure à la fin, quoi. Bon, première vite défaite. On redescend de platine Divi 2. Là, on est très loin d'arriver diamant, les amis. Je vous le dis. Hein. Moi qui ai mon objectif diamant 2 cette saison, là, je suis très loin. Il faut vraiment que je me mette à fond là, parce que ça va pas du tout. Donc là, on va lancer une deuxième game. Je pense qu'on va faire deux games juste aujourd'hui. Et puis en tout cas, j'espère que quand même s'il n'y a pas de victoire, ça vous plaît cette petite vidéo, tranquillou, posé, on est là, il fait à peu près beau vers chez moi, mais bon, on profite. Là, peut-être que tout à l'heure, je vais un peu bouger et tout, voilà. Et puis là, plus tard, je vais aller dans quelques jours, je vais aller à la montagne, ça va me faire du bien, on va décompresser et... Voilà, tranquille. Mais de toute façon, d'ici là, il y aura toujours les petites vidéos quotidiennes. Certes, j'en fais pas tous les jours, parce que tous les jours, je peux pas. Des fois, je travaille, des fois, j'ai d'autres choses à faire. Mais j'essaie de vous sortir au moins, on va dire, essayer entre 3 et 4 vidéos par semaine. C'est déjà bien, c'est déjà constant. Parce que si j'en fais trop, après, je vais trop me lasser. Et du coup, je préfère en faire au moins 3 ou 4 par semaine. Et au moins, si ce n'est des fois 5 ou 6, voilà, on sait pas de quoi est fait. Mais voilà, je me suis dit, je me mets à grand max, minimum 3,
3 vidéos par semaine, si ce n'est 4 ou autre, putain, là, je fais de la D. Bon, le terrain il est incroyable, hein. Je crois que ça fait partie des nouveaux terrains, il est vraiment trop stylé. J'aime bien le vert déjà du terrain et tout, en vrai c'est super beau, ça change un peu. Sinon voilà, 3 à 4 vidéos par semaine, voire plus si jamais j'ai la motivation, si jamais j'ai l'envie de le faire, parce que si t'as pas envie de faire une vidéo, ça se ressent après et c'est pas cool à regarder déjà que j'ai pas un niveau incroyable non plus. Si je vous fais un truc où je parle pas, où je suis pas actif et tout, vous allez vite vous lasser quoi. Du coup voilà. Et pour toi celle-là. De justesse. C'était pas loin là. Allez. En vrai, on peut le faire, je pense. Souvent, je lance mes vidéos alors que j'ai pas fait de partie des shows. Et c'est parce que la dernière fois, j'ai fait des parties des shows avec un collègue à moi, avec Howard, du coup, avec qui on a fait la vidéo. Et pendant. Ouf, je suis resté là parce que je pensais. Du coup, pendant les parties des shows, on a fait des parties de fou et tout. On n'arrêtait pas de marquer, on faisait que des victoires. Là, on lance vidéo, on perd. C'était tellement drôle en vrai, mais tellement pas drôle d'un côté. Et du coup, maintenant je me dis, ben, des fois, est-ce que je lance directement? Ou est-ce que. J'attends. Et du coup là aujourd'hui je me suis dit bête, je vais lancer directement, on sait jamais. Si jamais je fais une bonne game, finalement. J'ai commencé par une défaite. Ok, c'est assez serré quand même la partie. Heureusement que c'est fait exploser là, parce que. Et on va dessus, nickel, continue. On va l'avoir avant, c'est sûr. Ah. Ok. En vrai quand même c'est chaud là cette partie. À chaque fois que je suis concentré, je parle plus trop. C'est vraiment dommage ça. Bon, ça c'est le saut qui sert à rien. Ça prend, ça sert. Des fois c'est saoulant parce que je fais des sauts vraiment qui servent strictement à rien. Et des fois en fait des trucs que j'ai envie de faire dans ma tête, mais qu'au final je ne fais pas. Je fais l'inverse. Du coup, ça. Des fois ça me saoule un peu. Allez. Ah dommage. T'as un poil poussé trop. Allez. En vrai on peut le faire. C'était chaud, je sais pas si j'aurais dû la toucher ou pas là. Mais je le voyais tellement pas parti que je savais pas. Mais pourquoi les gens comme ça, c'est à chaque fois que je suis en vidéo, je tombe avec des gens qui me quittent. Non. Non mon gars. Il reste 1 minute 37 si tu me quittais. Il resterait 30 secondes. Ok. Ta rota, et les gens qui veulent pas faire leur rota, c'est incroyable ça. Allez. Ok, il me perturbe lui, sa voiture avec sa mini voiture. Je vais faire une bonne passe.
Excusez-moi, je parle plus trop, mais c'est parce que le bouc là, il me fait un peu la dé. Bon, là, il me fait une bonne passe, mais je suis pas là. Et ouais, tu me dis, vas-y, après tu sois y aller. Oh non, c'est quoi ce rebond de merde là? C'est quoi ce rebond de merde? Regardez-moi ça! Regardez-moi ce rebond! Hop! Et là. Ah non, mais c'est lui qui l'a! Ah ouais! Ah ouais, le coup, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Là, je comprends si vous quittez, mais. C'est incroyable ça! J'ai vraiment la poisse avec des mecs qui ont pas de mental quoi. Ils veulent le quitter au moment donc ils se déconnectent after. J'ai bégayé. En gros, ils décrochent de la partie un peu donc à un moment donné après c'est sûr on va pas gagner quoi. Et ouais les gars, bon là vous voyez en gros, moi je suis toujours là à essayer de marquer un but. Certes je fais des erreurs. Je m'en cache pas, mais bon, les mecs ils arrêtent. On perd 2-0, il reste une minute et quelques. Arrête de vouloir quitter, ça a rien. Après, tu te déconnectes du truc, c'est pour ça et après on perd. C'est pour ça. Voilà, les gars. Donc, ça c'est ce qu'il faut pas faire et ne pas perdre comme moi j'ai perdu. En tout cas, en soi, j'espère que cette vidéo du lundi vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, sûrement 3 à 4 vidéos par semaine, ce sera déjà bien pour recommencer parce que je me suis fixé un trop gros objectif en faisant faire des vidéos tous les jours. Sauf que j'ai pas le temps, forcément avec le taf et tout, c'est compliqué. Et du coup, je préfère faire des vidéos comme ça, plutôt 3 à 4 vidéos par semaine, c'est mieux. En tout cas les gars, prochaine vidéo, peut-être on va faire du Fortnite ou on va rester sur Rocket League ou... Ou Geoguessr ou autre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'était Asgard. Enfin, j'ai bégayé encore une fois. Je fais que bégayer, les gars, je fais que bégayer. Non, je rigolais. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, enfin, un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo. Un petit commentaire. Et puis, c'était Asgard. Ciao, ciao!